Alors, je m'appelle Simon Rovic, je suis journaliste pour numerama.com et entreprenante.com et je suis aussi président d'une association qui s'appelle les Blogueurs de l'Ouest, qu'on a monté il y a 3 ans, qui rassemble 180 blogueurs sur Nantes et Rennes à peu près. On organise souvent des soirées autour d'un verre, voilà, entre blogueurs. En fait, on s'était dit qu'il se passait beaucoup de choses à Paris pour les blogueurs et bizarrement, il se passait rien à Nantes alors qu'on était sûr qu'il y avait 2-3 mecs qui écrivaient dans leur coin, tu vois. Et donc, on a fait des soirées, il y a eu tout de suite beaucoup de monde et donc ça fait bientôt 4 ans que ça dure en fait. Le Time Navy est pas hyper respecté, alors j'ai quand même un t-shirt où vite fait il y a un rapport avec l'eau. C'est plutôt un t-shirt de geek en fait, c'est une référence à Retour vers le futur. Je suis un grand fan de ce film là en fait. Et là c'est une référence à l'overboard qui marche pas sur l'eau. À part ça, voilà, un jean, t-shirt, gilet quand il fait un peu froid, mais sinon t-shirt ça suffit. Et le seul truc auquel je fais peut-être un peu attention, c'est les chaussures. Et ce soir, j'ai des chaussures qui sont personnalisées à mon nom, en fait, voilà, c'est un truc un peu égocentrique. Mais derrière, mais y a, sur une chaussure, c'est marqué Simon, et sur l'autre, c'est marqué Robic, en fait. Et puis, voilà, une petite casquette, je trouve ça sympa. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit que c'était presque en train de devenir ma marque de fabrique, donc je trouve ça assez rigolo, en fait. Alors, en fait, c'est un univers hyper attirant. Je trouve qu'il y a beaucoup de créativité, et puis c'est souvent lié à la musique, qui est un univers qui me parle beaucoup. Pour moi, j'y fais pas réellement attention, mais enfin, je vais pas me mettre. J'ai quelques notions quand même de couleurs qu'il faut pas associer, tout ça, mais je suis quand même assez loin de ce milieu-là quand même. Après, je trouve ça intéressant, je trouve ça hyper intéressant, et il y a beaucoup d'autres univers qui me parlent beaucoup plus à moi, qui gravitent autour, et du coup, c'est pas impossible qu'un jour je tombe dedans aussi parce que. Par association d'autres thématiques qui me plaisent déjà beaucoup aujourd'hui en fait. Quoi.